Bienvenue dans l'antre du paranormal. Alors aujourd'hui, je suis toujours avec mon ami Brice. Brice, oui. Le fidèle irrécupérable. Et donc, nous sommes dans un château qui fut bâti au XIIIe siècle et détruit en 1592. Il a une longueur de 17 mètres et une largeur de 10 mètres. Donc nous sommes là, maintenant c'est une ruine, hein. Il a été détruit, il est sur un pic, donc on a dû marcher. Et donc vous allez voir tout au long de la vidéo, cette excursion, on va dire, entre guillemets, urbex paranormale, on va voir s'il y a quelques phénomènes, parce qu'il est réputé comme pour être le château le plus hanté du Jura. Enfin, la Franche-Comté, parce que nous sommes toujours en Franche-Comté, Nonim à Poix. Voilà. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de... De voir s'il se manifeste des choses. De voir exactement si des choses se manifestent et sachant qu'on n'affirme rien du tout. On n'affirme jamais rien. Voilà. Donc, écoutez, nous avons aussi... des remerciements à vous faire pour les trois premières vidéos de l'antre du paranormal. Continuez à partager, on vous remercie. Continuez à liker, disliker, voilà, parfaitement. N'oubliez pas d'actionner la cloche pour avoir les notifications, hein, comme les vidéos qui apparaissent. Et puis rejoignez-nous aussi sur le groupe Facebook, de Facebook, l'antre du paranormal. Et on va commencer un petit peu l'investigation, aller par-ci par-là, faut marcher, il y a crapahuté, vous allez voir tout le long, c'est un petit peu, il y a des endroits même assez risqués, parce qu'après ça fait un peu genre falaise et tout. Voilà, oui. Donc vous allez voir pas mal d'endroits, et j'espère que ça vous fera plaisir. Allez, à tout à l'heure les gars. À tout de suite. C'est bien, c'est bien. Nous sommes dans le village donc. Ici tu sais bien, ce ne sont pas des lignes de l'ancien. Nous sommes dans le village. Là on est en train de crapahuter quoi. Oh, un beau papillon de nuit qui est passé. Comment ? Bah oui. Je filme la dure labeur à mon Brice. Vous avez vu ce que je lui fais subir ? Allez. Alors je vous dis qu'une chose, c'est que ça grimpe. Ça grimpe vraiment. Hein ? Tu remontes là ou là ? Là, de toute façon. Là ? Ouais. Là ? Alors, à savoir, c'est que Brice, avec ses New Rock, il galère à grimper. Moi, j'ai prévu quand même. J'ai mis des chaussures de marche. Thank you.
c'est bon. Donc nous sommes au cœur du château d'Oliferne. J'ai Brice qui me parle, j'entends rien ce qu'il me dit. Donc voilà. Du château, on va commencer à faire un petit peu le tour et à trouver. On a un ami qui devrait nous rejoindre, s'appelle Sébastien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On vient de faire une petite pause avec Chris et Seb, qui sont juste derrière moi. Et on a entendu. Petit bruit, donc est-ce un animal, excusez-moi je mets la lampe parce que là c'est périlleux, je vais pas me péter la gueule. Et surtout ce que je veux c'est quand même voir si s'il n'y a rien d'exceptionnel, un sanglier ou je ne sais quoi. Hop. Qui est là? Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Ça gratte. Ouais, c'est gratté. Ça a gratté, mais... Refaites-le, s'il vous plaît. Là. T'as entendu gratter? Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Vous parmi nous? Là. En bas.
C'est quoi ce bordel? Elle met la batterie, ça me pompe la batterie. Et Steph, c'est en bas. C'est dans le bas, hein, souvent. Je pense que le mieux, c'est d'être par là, quoi. C'est dans le bas, là. De toute façon, ça remonte très bien. Je suis pas bien sûr. J'ai demandé tout à l'heure, c'était en bas. Pouvez-vous nous refaire un signe, s'il vous plaît? Encore une fois, on n'est pas là pour vous embêter. Hein. Donc, ne nous agressez pas. On vient simplement nouer, en fait, voir un petit peu si éventuellement on pourrait... Ah. Alors j'ai eu quelque chose là-bas derrière, parce que c'est le reflet de la... Alors, je fais attention où je mets les pieds, parce que c'est un sacré bordel. C'est quoi ça? J'ai eu comme une forme ici. C'est quoi le boom que j'ai entendu là? Hein? Alors, bienvenue, on va dire, dans le château le plus hanté du Jura, parce que je crois qu'il porte bien son nom. Mais ça peut être aussi une bestiole. Donc, c'est tout le truc. Pardon? Non, non, je parle... Je dis, ça peut être aussi une bestiole, donc. Oui, c'est vraiment hallucinant. Des sortes de sifflements, des fois. Puis là, ça s'est arrêté. Donc il y a Brice qui est là-haut. Ça s'arrête un peu comme c'est venu. Le plus que j'ai entendu, c'était là en bas. Donc j'aimerais bien savoir. Vous avez quelque chose en haut? J'ai entendu trois petits bruits là-bas au fond, mais c'est tout. T'as quelque chose, Seb? Je me suis posé pour essayer de prendre le moins possible. Bon bah écoute, pour le moment, on a eu quelques trucs. On ne sait pas si... Je sais pas si t'as entendu comment ils vont finir de chanter. Putain, ça fait deux fois. Ouais. Ça fait deux fois que j'entends un truc, là c'est d'en bas. Le problème c'est que... Wow. Vous avez entendu? T'as entendu? Ça vient d'en dessous, on dirait.
Et en dessous, c'est le chemin pour redescendre. Donc on peut le prendre par là ou par là-bas, donc côté château, qui est un peu plus périlleux, un peu plus abrupt. C'est celui-là qui est chaud comme, comme côté. Ben, c'est par là qu'on est descendu tout à l'heure, non? Il y a le mur d'enceinte aussi. Il est à cette place, c'est par là que je suis arrivé. Ah ouais. Quoi? Donc Seb est arrivé par le mur d'enceinte, il dit. Il y a un bon chemin à faire tout le mur d'enceinte tout autour du château qui est assez, assez plat et plus praticable. Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va... Je propose de se poser un petit coup puis on verra bien après. Ouais, mais le problème c'est qu'il faut garder le truc pour avoir la... Tu vois ce que je veux dire? Et moi je sens que c'est plus chargé de ce côté. Et même mieux en dessous. Et ce sentiment. Tu vois, sous ce mur là, en bas des escaliers. C'est là qu'on a eu le premier truc et derrière, ça a été limite festival quoi. Alors après, ça peut être une bestiole hein, qui dévale, qui est par là. Ouais. Un renard, un je sais pas quoi. Les bestioles, quand un piaf. Ils vont faire un bruit. Bizarre, mais en général, ouais, une bestiole, ça se barre, c'est pour ça que je suis sceptique, mais après... Il y a le bruit de jet tout à l'heure, là, le bruit qu'on a entendu après que tu as posé la question. Ouais, il y avait, ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, on discutait, on était posé et on a entendu un drôle de bruit, quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'humidité avec un animal. Et ça, non, c'était pas un animal. Donc, moi, je serais d'avis qu'on fasse un petit peu le chemin. Si vous voulez qu'il y en ait un qui reste là, peu importe. On va refaire un peu le chemin. Ben, bizarrement, ça change de température quand tu descends, tu vois. T'as ton machin là, ça serait bien, moi je trouve. Je crois qu'on va sortir exceptionnellement aujourd'hui. Là, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ouais. Écoute, je sais pas, moi je vais faire un tour là, je vais voir quand même. Parce que. Une fois, tout... Oh, c'est quoi ce truc? J'ai pas su comme les pieds sont chauds. Ouais, là, j'ai une espèce de chaleur dans les jambes. C'est... Putain. Faites attention de pas tomber, les gars. Là, elle est pleine. C'est pour ça que des fois elle est forte. Alors on redescend où on était tout à l'heure. Alors, on redescend sans descendre, on va juste le côté là. On va pas descendre jusque là-bas. Là, de toute façon, c'était pas là-bas, c'était par là. Donc voilà, je sais pas ce qu'on aura. Or plus par là quoi, je sais pas. Rien d'exceptionnel pour le moment. Ça a commencé dans le coin ici. On a entendu déjà un genre de pierre de je sais pas quoi. Donc vous voyez que les pierres sont elles-mêmes. Hein, donc c'est à peine. Enfin bon, c'est déjà costaud. Hein, on ne va pas y bouger comme ça. Et il ne serait pas impossible que. Je sais pas, un mulot, un truc qui passe au travers. Parce qu'à voir, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. Et qui ait fait tomber une petite pierre. Ça, c'est voilà. Ils sont juste empilés, hein. ils sont pas scellés. Exactement, donc on voit bien que c'est avec cette fameuse barre, hein, comme on vous l'expliquait, qui tire les pierres sur la genre de palette en bas, là, qu'on vous a montré. Il y avait le treuil, ils ont dû l'enlever, je pense. De monter à chaque fois. Mais voilà. Donc on va bien voir. C'est derrière le mur alors qu'il monte, non? C'est ça? Attends, je vais changer de vue. Alors, je vais regarder quand même vite fait. Donc là, ouais. Ah d'accord, c'est à pic. Laissez tomber, je n'y vais pas. On va pas aller se péter la gueule. C'est pas vraiment que tu tombes de la côté. Parce qu'après, on va m'appeler l'homme qui tombe à pic. On va pas pouvoir te rappeler du tout, c'est ça le problème. Je serais plus qu'à pic, quoi. Je serais chaud qu'à pic. Bien.
relais, non? Donc voilà, c'est là qu'on a entendu le premier, premier son. Enfin, premier truc, ça peut être une bestiole. Hein. C'est quoi ça là-bas? Hein? Ah, j'entends. Il y a quelque chose là. Putain! Les machines qui se coupent à chaque fois. Alors là, au même moment, un drôle de bruit sourd là. Juste derrière moi. J'avoue que j'ai pas aimé. Le pire, c'est qu'on en vient et qu'il n'y a rien. Donc, c'est un peu ça le problème. J'aime pas très très bien ça. Putain, aïe, je vais péter la gueule. Hein? Je trouve. Oh, si on se met en ultra pour. Est-ce que. Dans la cam. Aïe, là, je me prends des branches dans la gueule en plus. Ça, tout va bien. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Oui, vous faire un bruit, s'il vous plaît. Un truc bizarre. Est-ce que l'on vous dérange? Si oui, faites un bruit. Ils sont pas là pour vous faire du mal, mais pour rentrer en communication avec vous. Donc ne nous faites pas de mal. Avec nous. Et si le Seigneur est avec nous, le Seigneur de l'Iferme. À chaque fois, ça coupe. À chaque fois, la caméra se coupe. Et je pense qu'il y a de plus en de. J'ai pas coupé ma caméra, regarde. Oh putain, oui. Ça m'a remis à 3. Alors qu'on était bien plus loin que ça. Chaque fois que je filme, je l'ai pas arrêté. Ouais. Tu vois. Manifestez-vous, s'il vous plaît. Il y a des pirales qui passent des fois. Oh, il y a une chauve-souris, hein. Une copine. Elle a frôlé le mur et puis après elle est repartie. Mmh. Putain, ce qu'il y a comme papillon, c'est affreux. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous T'as vu, c'était une porte, on dirait. Ouais. Il y avait une porte là, Brice. Il y avait une porte ici, un passage. Ouais, mais il y a encore apparemment un souterrain dessous. Non, mais là, regarde. Oui, non, mais je vois. Oui. T'as un passage là, c'était muré. On voit bien les traits. Ouais. Là, il y avait un niveau. Là, il y avait encore un souterrain. Donc voilà, ben. Ce qu'on va faire, on va se mettre au calme un moment. Je vais commencer à regarder un petit peu. Ouais, putain, là, j'ai rien touché, c'est recoupé. Ouais, ouais, pareil, puis ma batterie, je sais pas, bizarre, elle reçoit. Écoute, on coupe, attendant, puis on verra ça après.
bon, la batterie là, on est épuisé, donc, vu que j'ai envie de faire fumer un petit peu aussi en bas, enfin en descendant, tu vois. Et tu sais quoi, je sais pas, j'ai un mauvais truc là. Je te jure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vers nous. Ça me fait un peu comme l'autre jour. Vers le cimetière. Je me sens suivi, c'est bizarre. J'ai une mauvaise impression bizarre. C'est bon, allez, go. Y a-t-il quelqu'un ici? Pourriez-vous vous manifester? Faire un bruit? Regarde, regarde, regarde ma batterie. Regarde. T'as vu, je viens de la mettre. T'as vu le truc? Regardez. La batterie. Attends, je sais de voir. Je viens de la mettre. Oui. La batterie, on voit pas, mais on est. Tiens, 42. Vas-y, va, on va avancer, on va le voir un peu en bas. J'ai une mauvaise impression là quand même. Aïe putain. Je suis repassé trop. Tu vas sentir froid. Êtes-vous parmi nous? Faites-nous un signe, s'il vous plaît. On n'est pas là pour vous embêter. Pourriez-vous faire un signe, s'il vous plaît? Ouais, en bas, j'ai entendu. Ouais, là en bas. J'ai entendu claquer. Puis j'ai eu un point.
J'ai eu un point lumineux dans ma... Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des drôles de bruit là autour de moi. Putain. C'est toi qui allume là-bas? Ouais, il y a des bruits un peu partout vers nous là. Et je peux filmer une partie de 10 secondes. Bizarre ça. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Je viens de t'y remettre. Bah oui. Hein? De quoi? Putain. Je sais pas, ça me fait comme l'impression d'être suivi, tu vois. C'est ça qui me turlupine. Ouais, j'entends, ouais. J'entends des drôles de pas. De... Moi, je peux pas finir, ça, je peux aller. Alors voilà, on descend un petit peu, on va dans les chemins. On entend drôle de petits bruits, donc pour le moment, ben, rien de phénomène, mais des petits bruits quand même qui sont pas anodins pour nous, parce qu'on se demande vraiment ce que c'est. Tout à l'heure, bon dommage, parce que... Parce que tout à l'heure la caméra filmait et bizarrement j'avais plus le son quoi, donc alors que le son était enclenché, donc je trouve quand même bizarre, mais bon. Et on a eu un bruit de pierre lourde, ouais, ça a fait assez lourd hein, la pierre tout à l'heure, donc oh putain, t'entends-tu là? Oui, c'est bien en bas. Là voilà. Vous voyez là, on vient du bas. Il y a des drôles de trucs ici. C'est de plus en plus mal un peu ça. Ça c'est une branche. Direction le coin du château quoi. Et c'est franchement... Aïe, merde, putain, je me pète la gueule en plus.
C'est franchement hallucinant parce qu'on a des sons de taré quand même des fois. Et ça. Putain, merde. C'est hyper, hyper flippant. Je viens d'entendre un putain de truc. Oui, j'ai entendu aussi, je te rassure. Un bruit de pierre. J'aime pas bien ça. T'as pas tombé? Non, je suis pas tombé. De fou. J'ai encore entendu un bruitage quoi. C'est pas trop d'où ça vient. T'entends? Oui. Alors là on est carrément en haut et on entend les pas. Là on entend grave des pas en bas. Et on en vient. Il n'y avait rien. Refaites-nous un bruit, s'il vous plaît. Montrez-vous. Franchement, c'est un truc de fou, ça. On entend marcher. Oh, t'as entendu? C'est filmé dedans. Ça fait ouf. Ça venait de l'intérieur. C'est comme un. Est-ce qu'il y a les. Brice. Oui. Là. Regarde. Regarde, ça s'en va. Oui. Regarde. Oui, je vois. C'est quoi ça? C'est parti. Brice, c'est parti. Donc alors voilà. Je suis avec notre ami Seb. Donc on vient d'avoir un... Bon, comment appeler ça? Peut-être un phénomène. Je pense que vous le verrez. Non. Donc à savoir aussi, on n'entendait pas. Et là, on n'entendait pas, là, en bas. On n'entendait pas en bas depuis tout à l'heure. Et là, ça venait pas du bas, ça venait d'en haut, la lumière. Donc je pense que on a de sacrés. On n'a pas qu'un truc en fait. T'as entendu le bruit? Ouais, donc on a des. Dans le bruit, ça je crois même que c'était une chouette brise. On entend des drôles de sons. C'est assez space. Donc on ne sait pas quoi faire là pour moi. Ça glisse, on dirait quelqu'un qui marche, qui ne sait pas marcher ou je ne sais quoi. Et D'ailleurs, qui joue avec nous justement, qui attend de nous descendre. Tout à l'heure on avait carrément bon, la lumière dans la caméra, qui approchait, qui avançait, une petite lumière. Et voilà, donc voilà, Seb, bah, pareil, il entend les mêmes trucs que nous.
Donc, comme quoi, on n'invente rien. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est sa première. Bienvenue dans l'antre du paranormal. Donc, on l'avait bien. On l'a bien prévenu quand même. On lui avait dit que ce serait possiblement périlleux. Enfin, voilà. C'est... Mais il a quand même du courage de vouloir rester ici. Ouais, ouais. C'est ce qu'on a entendu. Donc voilà. Voilà. Alors votre sentiment pour ce soir ? Chargé. Hein ? On voit que ça répondait bien à chaque fois que je parlais. Ouais, j'ai vu que ça répondait pas mal pour toi. Le truc c'est que... On entend marcher depuis tout à l'heure. Attendez, je vais m'entendre le train. Donc le truc, c'est qu'on entendait marcher depuis tout à l'heure. Et on comprend pas bien ses pas. Après, il y a eu ces oiseaux, vu que ça répondait aussi. Des oiseaux Pas des oiseaux, des bestioles. Ouais, enfin moi je pense que non, des bestioles sauvages. Le potin qu'on a fait, je pense qu'elle se serait barrée. Bon. Que fait-on, ami Brice? C'est toi qui vas m'amener. Monsieur Seb. Non, oui, je reste là, mais. Toi hein. Tu restes là? Après, t'as un balcon de pour te défendre. Je te conseille plus de dormir dans la tente. Hein. On va redescendre la côte. Ouais. De toute façon, la batterie là, elle est épuisée. Donc, vu que j'ai envie de filmer un petit peu aussi en bas. Enfin, en descendant, tu vois. Alors voilà, on vient de redescendre à la voiture. Ouais. Et on a eu encore des trucs de dingue en redescendant. Donc, la descente s'est faite avec pas mal de mal, justement. Donc, Voilà, j'étais en train. Bon, on marchait pour redescendre. Et puis j'ai pris un truc, je ne sais quoi. Donc j'étais en fait surpris par ce bruit, ce truc qui arrivait sur moi. Donc du coup, bah, j'ai voulu me barrer. Moi, je me suis retrouvé dans le bruit, je me suis pété la gueule. Quoi? Putain, excuse-moi. Ça va? Ah ouais. Putain, il y a un truc là. J'ai entendu un bruit, moi, c'est pour ça. Ça va pas trop mal? Non, ça va. J'ai voulu te rattraper. T'as entendu aussi? Bah ouais, j'ai entendu, ouais. Et on a eu un phénomène de fou. Et derrière, encore un putain de phénomène de taré. On descend, arrivé dans le bas de l'enceinte du château. Un boom, quoi. Ouais. Oh. Putain. Quoi. Donc je ne sais pas si malheureusement on l'entendra puisque peut-être avec la deuxième caméra. Je ne sais pas laquelle. Ouais, parce que la caméra là, bon, j'ai bientôt plus de batterie, ça clignote. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça fait deux fois qu'avec le micro, j'ai pas le son. Donc je ne comprends pas pourtant. Il y a des trucs de dingue, on va se casser de là. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on est arrivé à l'auto, la voiture était fermée, pourtant le coffre était grand ouvert. Ouais, on a retrouvé le coffre ouvert, la voiture était fermée à clé. Le coffre ouvert de ma voiture, alors je suis persuadé, sûr et certain de l'avoir fermé. D'ailleurs, j'ai fermé ma voiture à clé, donc je n'aurais pas fermé le coffre ouvert, je ne suis pas bête. Donc ça c'est pareil, je ne comprends pas comment ça se fait que mon coffre s'est retrouvé ouvert. Et pourtant, il n'y a pas de trace de casse, de rien du tout. Mon coffre est ouvert, point. Il n'y a rien qui a été pris dedans. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Et de toute façon, on se casse de là parce que c'est, franchement, c'est pas. C'est glauque. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, il y a des drôles de bruits. C'est space depuis tout à l'heure, on n'entendait pas, ça marche autour de nous. C'est un truc de malade, quoi. Donc vous verrez dans la vidéo tout à l'heure. Vous l'avez d'ailleurs même certainement déjà vu puisqu'on en est là. Et n'hésitez pas encore une fois à partager notre travail. À cliquer sur la cloche pour avoir les notifications sur la chaîne YouTube, à vous abonner, et on vous remercie pour ça. Merci à vous. Faites-en ce que vous voulez, encore une fois, on n'affirme rien. C'était l'antre du paranormal. Salut.